Bienvenue dans cette vidéo, je suis chez Dupla Marin, je vais vous montrer ce qu'ils ont de nouveau et leur gamme pour nous les aquariophiles marins, mais je vais faire un petit tour aussi pour les gens qui font de l'eau douce ou de la terrario pour que vous voyez un petit peu tout le reste. Alors là, on a les nouveaux écumeurs de chez Dupla Marin. Donc, on a ils s'appellent Cube Skimmer. On a le 1200, le 500 et le 900 et le 500. Donc, ça va dépendre de votre volume. C'est du plastique moulé. On a là le corps qui a la forme, on va dire classique aujourd'hui, le form factor qu'on trouve le plus souvent. J'aime bien cette idée d'avoir quelque chose de rose. Hein. Là, on voit, il déborde un petit peu, c'est juste du réglage, mais le fait de l'avoir en rose, c'est original. J'aime bien. Cette couleur-là, c'est très moderne. On a bien sûr le système pour mettre un tuyau à chaque fois pour pouvoir vider notre godet, le réglage de l'air, le réglage de la pompe, et bien sûr, on a la version petite pour si on veut accrocher sur un anneau. Donc c'est pour moi une bonne surprise de vous montrer ça sur le stand de Dupla. Et on va continuer à vous montrer un petit peu le reste. Donc ça c'est les boîtes dans lesquelles sont livrés nos écumeurs. Ici on a un osmoseur, le mini écumeur. Ça c'est vraiment sympa. C'est pour tous les produits qu'on va rajouter de type solution de baling, différents oligo-éléments, ce genre de choses. On a des contenants de 1,5 litre avec un joli design, la possibilité de le poser, de l'accrocher. Donc je ne savais pas que c'était dispo dans cette gamme-là. Pompe de remontée, pompe de brassage, plus petite pompe de remontée, bien sûr. La colle, c'est indispensable. Et encore cette pompe-là de remontée qui a ça de particulier, celle-ci-là, de prendre en dessous. Et ça permet d'avoir des niveaux d'eau très bas. Donc ça, c'est particulièrement intéressant, je trouve. Là, on a la petite démo des pompes de remontée, juste pour montrer que ça génère du courant. Ainsi que nos pompes de brassage en action. Sinon, le reste du stand, on va faire un petit tour rapide, puisqu'après, Dupla, c'est surtout, enfin, c'est connu pour l'eau douce. Donc, on a là l'ensemble des pierres de fond et décorations de fond qui sont disponibles. Ensuite, différents bois, dont certains sont sculptés. Imaginez un scaping avec ça, c'est vraiment. Voilà, il y a à rajouter quelques plantes et on est sur quelque chose de très très moderne et beau. Ensuite, toujours des décors à base de bois. Ici, on va avoir plutôt la partie hobby et toute la partie terrario et la vente, bien sûr, d'ensemble de terrario tout fait. Ils font bien sûr aussi des aquariums. Voilà la vue d'ensemble du stand, mais j'ai trouvé intéressant de vous montrer la partie marine parce que c'est un petit peu le parent pauvre de la marque en termes d'impact et de communication chez nous. On ne connaît pas, donc j'espère qu'avec cette vidéo vous en savez un petit peu plus. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez découvert un petit peu cette gamme eau de mer de chez Dupla, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos Interzo. N'oubliez pas, si ça vous a plu, le pouce vers le haut, abonnez-vous, tout ça vous savez. À bientôt.